Salut tout le monde. Allô. Ben voilà, j'ai une invitée aujourd'hui parce que Francis il veut plus faire les vidéos avec moi. Non. Donc, voilà. Il boude, il fait du boudin. Ouais. Ça fait 6 mois qu'on se croise, qu'on s'en va, qu'on s'en vient et, ouais. Et là on a passé une bonne petite semaine, une grosse semaine. Sur Escalante, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qu'on a fait là? Oui, ben Escalante d'abord nous a accueillis avec un vent de fou. Oui. On a dû se trouver des planques pour se cacher de ce vent énorme et nous avons fait 2 magnifiques randonnées. T'as surpassé tes... Ouais, j'ai surpassé mes peurs, mes difficultés, grâce à Francis aussi. Ouais. Ouais. Moi, malheureusement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais enfin, vous m'avez rapporté de belles images. Et puis, alors, quand on voit vos sourires après sur les photos, quand vous avez atteint votre objectif, ben, ça fait plaisir oui, à voir. Oui. Et puis, alors là, après, on a partagé un autre moment super sympa et avec Yves avec aussi. Avec Yves, ouais. Et là, on est allé jusqu'à une waterfalls. Donc, c'était assez agréable. On a fait une petite rando de 2 heures dans le sable. Dans le sable. Très difficile à marcher parce que les pieds s'enfoncent à chaque pas. Là, c'est vraiment... C'était pas une randonnée facile, mais de toute beauté encore. Oui, et on a vu un serpent aussi. Oui! Ah, tu t'en rappelles? Oui! J'entends... Je marchais, j'étais devant vous, je crois, puis là, j'entendais... Je me suis tournée et le serpent venait juste de quitter le sentier. Pour mais il était bien camouflé. D'ailleurs, j'ai même pas su mettre l'extrait sur la vidéo parce que il était brun, vraiment comme les feuilles d'automne, et donc on ne le voyait pas. Ben voilà, on va vous faire partager ce bon petit moment, 15 petites minutes de bonheur. J'espère. Et amusez-vous puis, comme nous on s'est amusé. Oui. Et puis alors dites-nous si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et voilà, ouais, la suite en image. Oui, bravo. À plus. Salut tout le monde. Moi, c'est Francis. Moi, c'est Fabienne. Nous sommes les Frabies. Nous quittons Bryce National Park et prenons la direction d'Escalante, où nous allons rejoindre Johan et Yves, qui, une fois de plus, ont une longueur d'avance. Les paysages sont magnifiques, mais ça brasse. Le spot est tranquille, mais on doit quand même s'abriter derrière les rares arbustes. Aujourd'hui, nous emmenons Johan pour Zebra Slot Canyon. Après une petite heure de marche, nous arrivons à l'entrée du canyon. Ça va, ça marche? C'est beau. Attends, Fabienne, moi aussi, je veux que tu fasses une C'est vidéo. Mes pieds qui coincent. Je me tournerai. Marche en canard. Je me tournerai. Okay. Parce que j'ai pas l'appareil, mais j'aimerais ça avoir souvenir. Bon, t'es passé, toi. À moi. Donne-moi l'appareil. Non, ça va aller, oui. Donne-moi l'appareil. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, les pieds, il faut les tourner, les pieds. Mais ça passe, hein. On frotte le cul. Allez, filme à Joe. On va voir si sa grande gueule passe. Ça me dit quelque chose. Vous avez réussi à garder les pieds au sol? Ben oui. Il faut marcher comme les canards. Il faut monter sur la roche. Non, canard. Là, on va être tout sale. Oh, oh, oh. On va devoir faire du lavage. C'est fou. Rentre ton cul. Rentre ton cul. Rentre ton ventre. Rentre ton cul. Rentre ton ventre. Rentre ton buste et pas. Ça y est. Tiens. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est beau. Ça se rétrécit, hein. C'était l'arche là, je vous le dis déjà. Hein.
Hein? C'est plus étroit, là. Ah oui, encore. C'est ça, je pense qu'il va falloir monter sur les roches avant d'aller. Non. Je ne sais pas comment vous allez faire, les filles. Mais... Les madames là-bas, elles passent pas, hein. Hein? Les madames là-bas, elles passent pas, hein. Oh, putain. C'est vrai. Il faut pas avoir des grosses hanches et des gros seins, ici. Je vais le ranger. J'ai mes pieds qui sont tout rendus. Oh, je ne sais pas comment mettre mon pied. Non, tu comprends que Yves, il sera plus de rappel que quelqu'un. Hein? Attends, hein. Attends, ma jambe ne passe pas à ton jour. Hop. C'est pas passé? Non, j'aime pas. J'y arriverai pas. Tu arriveras pas? Bah. Tu montes sur la roche. Monte sur la roche, puis appuie tes fesses, puis avance les fesses sur la roche comme ça. Vous laissez passer Joanne, elle te montrera comment on fait. Bah, je le dis, mais est-ce que je vais être capable de faire? Je vais mettre mon sac à Ah, ça, c'est réussi à passer là? Ben, si j'y suis, oui, hein. Non, j'ai pas su passer. C'est comme un escargot, tu sais. Ben, si tu restes coincé, on est beau. Mais retire ton sac un jour. Non, ça va. Tu vas y aller. Oh, t'as. Oh, attends. Ici? Je vais filmer ta tête parce qu'elle est marrante, ta tête. Fabienne, viens la pousse. Non. Non, mais je comprends, Fabienne. Le non, pied. Non, avec mes genoux, ça n'ira jamais. Ouais, le pied prends ici, mon, là. Prends-moi mon sac à dos, je fais demi-tour, moi. Redonne-moi mon sac à dos. Oh my god, t'as vu, Francis, ça passe. C'est pire après. Oh. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Ça fait pas mal et te coince pas, hein? Non, c'est ça. Et si tu mets ton cul d'un côté, tu vois ton dos. Jo, ouais. Remets ton sac à dos devant et tu cales ton dos ici, comme ça, et tes pieds comme ça. Je ne sais pas, hein? Non. Si tu ne le sens pas, tu ne le sens pas, hein? Non. C'est un peu con d'aller se coincer. Hein? Parce que si tu glisses dans le trou, après, t'es mal. Hein? Non, c'est ça. C'est chiant hein, quand on n'y arrive pas. Hein? Ouais. C'est vraiment, hein? C'est pas possible. Les gens qui ont fait ça, là. Ce qu'il y a, c'est fort profond. Là, oui, mais après, tu vas peut-être coincer. Ah, je vais allumer ma radio, peut-être. Non, Francis, non. Je ne peux pas. T'es là. Allô, allô. C'est passé? Non, Joanne coince. Ouais, Joanne arrive, moi je vais y continuer un petit peu. Tu filmeras, toi. Voilà, vous ratez quelque chose, les filles. Regardez un petit peu ici, comme c'est beau. Oh là là. C'est super beau. Amazing. Ouais, ici, ça va être chaud. Je ne sais pas si je serai monté ici. Bon, on va essayer. Je refilme après, si je suis passé.
On fait une petite pause et Chouchou nous distrait avec ses conneries. Quel imbécile! Regardez-la comme elle rit comme un bossu! Petite vidéo de Joanne, en difficulté, mais elle va y arriver. Allez, je montre à ton homme ce que tu sais faire. Ouais. N'oublie pas qu'il faut revenir après. Hein. C'est ça. Allez, fais-lui un bonjour à la française. Ouais, monte un petit peu si tu veux, tu auras peut-être plus facile. Maintenant, descendre, c'est chaud. Faut y aller doucement. N'oublie pas qu'il faudra revenir. Ouais. Oh boy. Attends, je vais te donner un coup de main. Tu veux que je vienne te donner la main? Non. Je devrais y arriver. Aujourd'hui, nous partons tous les quatre avec Walter pour faire Lower Calf Creek Falls. Et une fois de plus, nous avons droit à des panoramas de dingue. Voilà, avec une randonnée d'un peu moins de 2 heures. Et voici notre objectif, la cascade. Super randonnée. Ça n'a l'air de rien, mais c'était un petit peu difficile juste parce que c'était dans du sable qu'on marchait quasi tout le temps. Et on est à Escalante aussi, qui est méconnu, mais qui est super beau. Donc c'est entre Bryce et Moab, on va dire. Et c'est une des plus belles routes des États-Unis d'après mon ami Yves, je vous présente. une des plus belles routes. Que penses-tu d'Escalante? Parfait, vélo de montagne, diversifié. Hein. Et toi, Jo, viens. Viens, on a fait la marche aussi. Et qu'est-ce que tu as fait hier, Escalante? Qu'est-ce que tu as fait hier? La grenouille. Oui, c'est vrai. J'ai grimpé en grenouille sur des roches et grâce à Francis, je suis riche. Ouais. T'avais un petit remords, hein, sinon. Pardon? T'avais un petit remords de ne pas pouvoir être allé jusque... C'était magnifique. Zebra Canyon. De toute beauté. De toute beauté. Vraiment. Cool. Ouais. Voilà. Et demain, on se casse tous pour aller vers Moab. Voilà, la vidéo est donc terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ah ben tiens, surprise! Vous verrez encore ma tête, je vous ferai encore chier. Tu te décides quand même à venir finalement. Oui, c'était une joke, comme disent les Amerlocs. Voilà, on est donc à Moab. La prochaine vidéo, une des prochaines vidéos sera donc sur cet incroyable endroit où on a passé beaucoup de temps. Entre-temps, vous aurez vu le montage de notre rack pour vélo de montagne. Ce sera la semaine prochaine. Et puis, on vous dit à bientôt.
Oui, on a quelques vidéos en réserve. Allez, à bientôt les amis. Salut. Salut. Thank you for watching the video. I hope you loved it. I just wanted to give you a quick reminder to subscribe to Les Frabies and give them a thumbs up. Thumbs up. 1, 2, 3. Si vous aimez les Frabies, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et activez la cloche. Alors, abonnez-vous à Les Frabies. Et pongale un me gusta. Abonnez-vous, Frabies. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous au Frabies. Mettez un petit pouce bleu.